Salut à tous, voilà je vous retrouve pour un nouveau test pour Trail Session Magazine pour la marque Oka, donc marque que je connais très bien et qu'on a l'occasion de tester régulièrement en fait au sein de la rédaction. Donc cette fois-ci avec le modèle Mac Supersonic, alors qui porte bien son nom, donc un modèle super sympa que je vais avoir l'occasion de tester sur les prochaines semaines. Alors déjà évidemment au niveau du design, un design plutôt accrocheur, on voit avec l'arrière qui est plutôt, élargi par rapport à ce qu'on peut avoir sur d'autres modèles Oka, même si récemment en fait on a vu que sur cette marque là on avait quand même des chaussures qui montraient cette spécificité, notamment sur des tests qu'on avait fait l'année dernière. Au niveau de la partie technicité de la chaussure, donc on retrouve un mesh qui est assez aéré, donc on va voir un petit peu si jamais ça se passe bien en ce moment, maintenant que les températures sont quand même assez hautes. Au niveau de la semelle, alors évidemment on est sur tout ce qui fait le succès de la marque Oka, hein, donc sur une semelle qui est vraiment très amortie avec un confort, donc ça j'ai quand même pu la mettre au pied un petit peu pour voir comment est-ce qu'elle se comporte, donc on est vraiment pas mal. Donc comme je l'ai dit, en fait un design vraiment sympa. La fameuse semelle intermédiaire Profile, cette fois-ci plus, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a comme valeur ajoutée par rapport à ce que j'avais déjà pu tester pour la marque Oka, puisque j'avais déjà eu l'occasion de tester cette semelle intermédiaire Profile. Pour le reste, des petits accessoires plutôt sympas, hein, pour mieux enfiler la chaussure et non pas juste la porter. Voilà, donc une chaussure extrêmement légère, hein, on est à peu près à 230 grammes, donc c'est vraiment un poids mouche. Donc évidemment c'est pour une chaussure de route, hein. Donc au niveau de la semelle, on va voir comment est-ce qu'elle se comporte. Donc là j'ai quand même pu un petit peu la mettre, hein, sur une première sortie pour voir un petit peu de quelle façon est-ce qu'elle se comporte déjà au pied avec un premier ressenti. Donc voilà, on va voir un petit peu comment cette chaussure se comporte sur les kilomètres que je vais faire avec et pour faire un retour complet et technique. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau retour pour Trail Session Magazine.